Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Bouh! Je vous ai fait peur? C'est normal, c'est le but de la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, parce que pour ma part j'ai vraiment nickel chrome. Et donc aujourd'hui nous retournons pour une petite vidéo particulière, parce qu'aujourd'hui nous allons regarder la fin et la suite de mon histoire paranormale. Donc 2 semaines d'attente, mais ça valait le coup. J'ai fait des expériences et aussi j'ai vu des trucs paranormaux. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà connu ces phénomènes paranormaux, vu des ombres, aller dans des endroits hantés et abandonnés, voir des choses paranormales, voir du sang, et même avoir des courants d'air ou alors du vent frais dans votre cou? C'est un signe de phénomène paranormal. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de phénomène paranormal? Car moi, non. Mais je l'ai vécu dans la réalité. Real life. Bref. Vous voyez dans l'épisode que j'ai fait, vous avez sûrement dû voir, normalement, les signes avec le radiateur qui bouge, la colle qui est tombée, et l'ombre noire à côté de la chambre d'à côté. Est-ce un signe? Est-ce un phénomène paranormal? Eh ben non. Figurez-vous que si vous avez des proches, des animaux, ou alors des amis qui sont disparus, ou alors qui sont morts, signe. Bref, dans cette vidéo, il n'y a aucun trucage et aucun fake. Je préfère encore préciser. Vous voyez le grand JD ce qu'il fait? Il va dans des lieux hantés pour voir et étudier ces phénomènes paranormaux avec ses objets spéciaux. Et ben moi, je les ai vécus en journée et dans la nuit. Alors, est-ce que c'est flippant? Est-ce que c'est pas flippant? Les phénomènes qui se sont avérés flippantes se sont répandus 2 ou 3 jours avant cette vidéo. Oui, parce que sinon ça aurait aucun rapport. Alors, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un ou quelque chose bouger? Un cintre, un truc qui bouge, un truc qui tombe, un portrait de votre famille qui est peut-être morte, je ne l'espère pas. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de phénomène? Si c'est le cas, c'est pas normal. Si c'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais figurez-vous que c'était un lundi et que ça s'est avéré dans l'après-midi vers 14h. Vous pouvez dire, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Figurez-vous que ces paranormales sont peut-être dus à une affection proche. Donc ça veut dire que si vous avez une affection proche avec quelqu'un qui est mort, ça veut dire que la personne peut apparaître à tout moment. Sauf le matin. Oui, parce que le matin, c'est... Je sais pas. Alors par contre, pour les matins, je sais pas. Mais apparemment, ça peut être l'après-midi ou le matin. Mais les spécialistes, les scientifiques ont dit que c'est plutôt l'après-midi, le soir et la nuit qu'il se passe des trucs. Et bien figurez-vous que c'est la première fois que je vois des trucs paranormaux l'après-midi. Bon, c'est pas la première fois que je vois des trucs paranormaux, mais là, c'est flippant. J'étais en haut ici, vous voyez, j'étais en train de mettre les clims parce qu'il fait super chaud. Et puis là, j'entends quelque chose de genre de... comme ça. Mais vraiment fort, vous voyez, vraiment bien que ça s'entende. Donc du coup, j'étais voir en bas. Le cadre de quelqu'un que je connais, que j'étais proche, a bougé. Je sais pas, non. Et puis le pire après, le pire dans tout ça, c'est que 15 minutes après, j'étais en train de regarder ce qu'il y avait. Et puis là, boum! Autre bruit, j'ai dit. Alors j'étais face au frigo. J'ai dit, bah c'est lui qui fait le bruit. Et puis j'avais aucun doute que c'était quelque chose d'autre. Parce que après, 30 minutes après, il y avait un autre bruit du genre. Donc du coup, j'étais dans mon canapé. Mon frigo n'avait pas fait de bruit. C'était un truc autre chose. Mais 3 fois. Après 45 minutes d'attente, c'était flippant. Alors déjà, c'est pas le cadre, c'est pas le radiateur, c'est pas le ventilateur, c'est pas le frigo, c'est un signe.
Parce que les morts vivants, bon, les morts vivants, c'est pas les zombies, hein, mais c'est les morts, quoi, en gros. Pas comme Voldemort. Bon, là, je suis un peu fixant, là. Les personnes que vous avez toujours aimées et que vous avez de l'empathie et de l'amour pour elles, ou pour lui, ou pour la famille entière, ou pour les amis, bref. Ça veut dire que les gens que vous appréciez beaucoup, c'est que en fait, ils peuvent apparaître à tout moment. Pas des ombres, pas des silhouettes, mais des bruits. Autre information, mes parents avaient aussi eu une hallucination, mais là c'est autre chose. C'était un animal. Ils ont cru voir une souris. Donc du coup c'était vers 23h et tout. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un rat. Ah, une souris. Un rat ou souris, enfin c'est pareil. Et puis là mon père aussi l'a vu. Et donc le pire, c'est que moi je l'ai pas vu. C'est flippant, non? C'est encore plus flippant que la première vidéo, mais d'accord. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant. À chaque live que je vais faire, c'est que je vais faire des lives plus tard. Oui, des lives plus tard. Parce que la nuit peut cacher des choses particulières. Genre des phénomènes, des bruits, même des bruits de radiateurs, même des clignes. C'est bizarre, non? Mais le plus flippant et le plus bizarre, c'est que ça n'arrive pas en live. Est-ce que c'est parce que les fantômes n'aiment pas les personnes qui regardent? Ou est-ce que c'est un signe? Ou est-ce qu'on va être tout seul dans la nuit? Où est-ce qu'il veut nous faire peur? Est-ce qu'il veut nous faire flipper? Est-ce qu'il veut nous donner un signe? On n'en a aucune idée. Même les plus balèzes scientifiques ne savent pas. C'est pour ça que, à partir de maintenant, pendant chaque 2 semaines, ou même 3 semaines s'il le faut, je vais étudier sur ce genre de truc paranormal et voir si c'est flippant ou pas. Ok? Mais est-ce que c'est flippant pour d'autres personnes? C'est flippant, non? Mais est-ce que vous avez déjà vécu votre expérience en pleine journée, vers l'après-midi, le soir, à chaque fois? Ah! Ah! Flippant, non? Eh ben écoute les amis, c'est ce que je vais étudier à partir de maintenant. Oui. Spécialité les vannes de l'eau. Oh, j'ai fait. Donc, du coup, voilà ce qui s'est passé pendant les 2 semaines que je vous ai pas fait la suite de la vidéo. Mais est-ce que il y a un truc qui va s'avérer utile, flippant ou crappy? Dans les yeux, sans lunettes, c'est que c'est très important. Pendant 2 semaines ou 3 semaines, cette vidéo aura lieu cet après-midi ou demain. Et c'est pour ça que je vais étudier à partir de maintenant les bruits bizarres, les phénomènes. C'est un grand phénomène paranormal. Bref les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc du coup, je vais beaucoup étudier sur ce genre de truc qui flippe. D'ailleurs, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu. Je compte sur vous comme d'habitude. Mettant entre, allez, on va dire 4 à 7 pouces bleus comme autre épisode parce que ça fait plaisir. Et donc du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un truc paranormal, un truc flippant. C'est ce qu'on verra. Tato One Piece, bye bye. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God, my whole life.